Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Cyrus, aujourd'hui on se retrouve pour la 10ème partie de notre espèce Pokémon Z. Alors j'ai remarqué, c'est vraiment aléatoirement, donc j'ai pas reset, hein, je suis vraiment désolé. Enfin j'ai pas reset, c'est-à-dire je voulais pas montrer, j'ai reset derrière plutôt. Que si tu parles à un Sablet, et ben il y a un combat. Donc ça c'est plutôt intéressant vu qu'on va pouvoir avoir un nouveau Pokémon Léviathan. C'est Brent ça. C'est vachement intéressant. Léviathan. Niveau 15. Je vais peut-être un petit peu abuser, s'il te plaît. Ça va. Ouh. Alors, Trash, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va tenter la Nuzlocke maintenant. Ou on tente un Sleep Powder. On va tenter un Sleep Powder. Ah, oh, bonne. Hop, donc normalement, on l'a. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, Nuzlocke Ball, donc j'en ai racheté 20 je crois derrière. Donc ça c'est bon. Ok, bah parfait. Hop. Bon bah voilà, ça nous fait un petit Dracaufeu, d'accord. Ça nous fait un petit Gyarados. Donc le Pokémon Atroce, donc je vais l'appeler Maja. Donc Maja Speak 22. Voilà Maja. Hop, donc dans le PC de Royat, dans la boxe. Donc ça c'est cool. On va le soigner Lucia. Et on va voir la nature de notre petit Gyarados. Voilà. Je sais pas ce qu'il nous faudrait dans la sim techniquement, j'arrive pas à voir. Parce que j'aime bien notre sim, elle est cool. Ah ça, on y ouvre en premier. Alors. Mile, donc c'est plus attaché. Oh les EV sont bonnes par contre. Ah ouais d'accord, il y a des EV assez yolo quand même. Gauthier, alors il n'y a pas de H, il faut que je le change, je sais, je viens de voir son commentaire. D'accord, bon bah c'est très... Mais il n'y a que ça, bon bah c'est pas mal. Bon ça je l'entraînerai, ça peut être un poké vraiment vraiment intéressant, mais vraiment vraiment intéressant. Donc bon, on va voir. Donc je pense aller dans la grotte. Cette cave est trop dangereuse, tu devrais être plus fort avant d'y aller. D'accord, bon je peux pas y aller. Bon. Je suis trop faible. Non je suis faible. Voilà, donc Sablet se transforme en Léviathan, la base. Ah ouais, on va aller dans la grotte des bases secrètes pour... D'accord. C'est quoi tout ça? J'en ai aucune idée, putain. Ah bon, vas-y, je sais même pas ce que c'est, laisse tomber. Ah, peut-être si je parle en Tunesper, ça fait un match. Oh, cool. Ah, ça on fait deux poké. D'accord, c'est moins bien tout de suite. Ah, mais le fait, c'est moins bien. C'est vraiment moins bien. Niveau 20 en plus, c'est pas mal. Je lui tue pas, non, c'est bon. Ouais, ça va. Ouais. Defense Curl. Bah, ça va, on se refait un petit peu en poké restant. Ah mince. Allez. Non, mais Luxia là, on se réveille. Meilleur combat du monde. Oh mais t'es sérieux. Allez. Ok. Bon. Hop. Pourquoi j'ai speedé Nuzlocke Ball? J'aurais préféré avoir un meilleur poké. Après c'est pas mal. Ça reste un poké de Nuzlocke. Par contre, j'avais dit à un abonné que je ferais une dédicace. Je crois que c'est Flaygon. Hein. Ouais, Flaygon, on m'a demandé sur Ask. Je te fais une petite dédicace simplement parce que j'ai pas de dédicace en tête pour ce poké. Donc voilà, c'est cadeau Flaygon, c'est pour toi. Flaygon, je sais même pas. D'accord, donc là il y a une. Mais Dafug ! Alors une pierre qui bloque. Une pierre violette sur le sol. Une pierre violette et.
n'est pas activée. De toute façon, t'as besoin de l'augmenter pour pouvoir l'activer. Ok, là il y a une pierre devant. À mon avis, les augmentations pourraient faire bouger les trucs. Bon, j'en ai aucune idée, je vois en off. Parce que là, vraiment, je sais pas du tout là. Je sais pas. Donc là, on va aller dans la tour, techniquement. Psychic Tower. D'accord, donc ça c'est une tour psychique. Oh, il y a la meilleure musique du monde. Bon, droite ou gauche? Gauche. Et je vais aller à droite en fait. Dafu, c'est les mêmes. Bon, on va essayer d'éviter les. Qu'est-ce qu'on fait? La queue basse, la queue basse. C'est ninja bitch. Oh là là là, que de puissance. On a envie de l'affronter. Ah, c'est un combat double? Non, impossible. Donc là, on est obligé. J'espère que je suis pas trop en retard au niveau des poké. Ah, niveau 20, d'accord. Ça va, je suis encore en avance. Parce que j'ai pas envie de prendre énormément d'avance. Bon, certes, je connais pas le niveau des champions d'arène. Peut-être que je suis putain. J'ai putain d'art. Mais bon, si jamais je vois ça, bah je les entraînerai. Et puis j'ai même pas fait une réserve, j'ai pas envie de, d'être niveau 50. Quoi. Donc bon, on verra. Hop. Donc voilà. Niveau 28. Et elle apprend aéromathérapie, donc c'est très nul. Dans le sens où elle est déjà synthèse, elle est... Franchement, Lucas a des bonnes attaques, juste la queue des attaques plantes. Bah bon. Par contre, on va la virer de la première place. Pour voir si elle est Pokémon niveau 28. 27 encore. Alors, il n'y a pas de Pokémon niveau 27. On va entraîner. Comme plus. Non, on va entraîner Pyrus. Pyrus, comme j'oublie tout le temps. Je me demande s'il y aura le cercle blanc comme dans... Je crois que c'était... Non, pas dans que dans Pokémon, mais... Ouais, le cercle pour pouvoir soigner ses Pokémon instantanément. C'est vrai que ça m'avait bien plu quand j'avais joué au jeu. Alors, là, on est obligé d'en faire 3. Donc, normalement, on est dans le bon sens. Enfin, j'espère, n'est-ce pas? Donc, ils ont tous un Poké, donc ça va. Tellement. Il est 20, toujours. Trop feu... Boum! Allez! Oh, il y a pas beaucoup d'expérience, c'est vrai que. Ah oh, bah, niveau 29, ça se fait. Bon, on va rester un petit peu avec Pyrus histoire de. Deux, parce qu'il est beau derrière, derrière nous. 1000 Poké Dollars, excusez-moi. Tac, encore un. Stay out of here, Team Asia is training and looking for rare Pokémon. Donc, Ouais, enfin, la Team Asia, elle est ici pour s'entraîner et capturer des Pokémon rares. Ah d'accord, mini Draco, c'est pas mal, c'est pas mal, on va faire un petit Draco Jet. Quoi ça fait? YOLO. Putain, mais comme une attaque insécurité, quoi, genre... J'ai trop le méga chomp, ton slam Draco Jet. Non, ça ne peut pas arriver. Encore 1000 Poké Dollars. Bon, ça va, ils ont tous un Poké, donc... bon, ça va si on tombe dessus. Donc... Ah, bon, on était du bon côté, à part s'il fallait arriver par derrière. Ah non, c'est bon. Oh, on a eu de la chance. I said, move out of my way! I'm afraid I cannot. It's against protocol. Donc, c'est contre le protocole. De nos jeux Pokémon ont taken loose stop. Donc, ont atterri ici. Il pourrait être dangereux. Ok. Donc, Tibet, la Team Asgard est ici pour eux. Maintenant, pars de là où tu seras. Où tu pourras te faire. Où tu pourras avoir mal. Enfin, où. Tu pourras avoir des conséquences. Non, je peux pas. Ce sera contre le... Move out of the way! Loki, just let the poor guard be alright. So Loki, listen to us. Ouais, bon, bah là j'ai un peu du mal à dire. I thought the sentinel at least never to. Donc ça fait. La dernière fois que j'ai vu, c'était il y a 2 ans, je pense. Donc, quel âge a le garçon? 6 ans. Et son anniversaire, c'est vraiment une insulte. Shut up! Je vais t'affronter maintenant.
Je pense pas. Le garde est fou. Je vais rester. Il reste dans le chemin de Team Asgard. Ouais. D'accord. Oh, I'm sorry, you're here now. Ok, donc là il nous dit qu'il est désolé si on a entendu ça. Donc t'as l'air d'un challenger assez fort. Est-ce que tu peux m'aider pour l'arène? Voir si tu peux me battre. J'ai besoin de perdre, c'est ce qu'il dit. D'accord, est-ce qu'ils sont toujours là? Ok, bon. Donc là on va se faire l'arène. Je suis vraiment désolé si j'ai pas traduit, mais j'ai moi-même pas très bien compris. On dirait que c'est assez dur quand je comprends, mais quand je comprends pas, laissez tomber. Ouh, le x8! Ouh, le x8! Ouh, le x8! Le x8, bitch! It's down! It's fine, I get a render rouse, bitch! You doesn't know what he knows you. Hop! On va pire au niveau 29! No, impossible! C'est bien parce qu'en fait, ce qui me fait rêver, c'est que les mecs ils sont à fond dans leur team et tout, dans leur grosse secte. La fugue, un Pokémon de zone! Oh non! Ah, je savais pas qu'on pouvait capturer les Poké ici! Ah, c'est dommage qu'on retombe sur Roselia par contre. Je suis pas fan de ce Poké, et surtout, bah, y a mieux. Hein. Enfin, Coco, il est déjà peut-être un petit peu mieux que le Robule. Bon, bah, voilà. Je sais pas comment l'appeler. Je sais. Je vais l'appeler Grenousse. Donc, c'est en rapport avec une personne de Pokéweep. Donc, c'est El Soldier. Mais bon, moi je l'appellerai toujours Grenousse. C'était quand il se faisait un petit peu passer pour un transsexuel féminin. C'était marrant. Voilà, donc Grenousse, bienvenue dans l'équipe. Alors, on va voir si on aurait pu avoir. D'accord. Karchakra, truc qui serait passé mais trop bien quoi, genre Karchakra trop fort. Non, il faut qu'on ait une plante avec des roses. Ouais. C'est quand même pas mal dommage. Ah mince, là on avait fait une ninja. Faut que j'oublie, bon, c'est pas grave. Luna Stone. Bon bah ça devrait aller normalement, à part s'il me fait une grosse attaque roche. D'accord, il aura pas le temps. Pyrux est dans la place. Hop, 916. C'est notre bat, c'est notre bat. J'ai une famille. T'es trop méchant pour avoir une famille, c'est du méchant. Là. Je me suis chauffé pour prendre les escaliers. Je me fais. Non, on va pas faire du temps. Ah, avec Gligar, ça aurait été bien aussi. Bon, bref, je commence à rager sur ce reste-là. Karchakra. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Karchakra. Bon, on va soigner la team. On va voir le type de Flygoon et de. Enfin, la nature, excusez-moi, de Flygoon et de. Grenousse, ou Kel Soldier. Nomi. Et on va affronter le champion d'arène. Oulala. Bon, ça va, on commence à avoir quand même des pokés de soutien. C'est pas tout le temps que j'ai cette chance. J'espère que ça restera dans le cas. Ah mince. Chaque fois je me trompe. Alors, on a une ligne. L'épaberry. D'accord. Donc nature modeste. Ça va. Et IV dégueulasse. Nature timide. La nature est là, mais les IV sont pas du tout là par contre. Ouais. Ça peut quand même être un poké qui est assez utile. Hein. Je veux dire, si jamais je perds Luxia, c'est sûr que je le prends. Et si jamais je perds Embo, que je prends. Si jamais je perds Pyrus, je prendrai Joseph. Voilà. J'aurais dû l'appeler Marcel. Bref, non, ils sont partis les. Voilà, les méchants. Ouf. On est là. Mais comment il peut y avoir une tempête de sable? Tu m'expliques, on peut pas aller là? D'accord. Alors. D'accord. Bon, gros, faut avancer avec les cailloux. Alors, je sais même pas de quel type il est. Sûrement type roche, normalement. Je serai par le mec. Oh! Bon, là, on a de la chance. Franchement, à cette sorte, ça peut être chiant. Mais bon, tout dépend de sur quoi on tombe, en fait. Si on était tombé sur les Pokémon de type roche, c'est vrai que j'aurais spam Luxia.
à niveau 30. Oh, 100 PV, propre. Ninkada, bon, on va rester, hein. Alors, j'ai pas vu les levels, par contre. 24. Wow, je suis un tout petit peu au-dessus. Mais bon. Je suis pas tellement dessus. Ah, j'ai mis, malheureusement. Il y a quoi comme... comme cap space, truc. Et composé, je crois. Je rigole, il y a moins de sable. Je suis l'insecte, impossible à tuer. The fuck. Je suis sûr que t'as pas moins de sable. Allez, Pyrux, tu peux le faire. Tu prends tes crocs, tu mets un peu de feu, tu fonces vers l'insecte et tu le croques. Ah, les jeunes. Mais dingue, mais tu... Michael, déjà que je vais galérer, mon ami, tu pourrais être gentil, s'il te plaît. Bon, si j'arrive pas, je suis calme. Mais j'en vais chier. Allez, mais c'est n'importe quoi. Pyrux, c'est pas sur des pépins. Un insecte. Allez, Pyrus, tu peux le faire. Enfin, j'ai perdu quasiment la moitié de ma vie pour un petit insecte à la con. Vous m'énerve. Hop. 447 points d'expérience, donc ça c'est pitoyable. Bon, on va switcher. Donc il a Numel. Donc Numel, il est la classe. On va envoyer Size Sensation. Voilà, le petit x4. Le petit x4 stabé, je pense qu'il a très très peu de chance de résister. Pourquoi j'ai fait Pyrux? C'est pas grave, ça marche aussi. Il va bientôt évoluer en fait, hein. Je crois qu'il évolue. Je sais plus si c'est 32 ou 36 dans cette génération. Je pense que c'est 36. Peut-être 32. Bon, on verra. On verra sur le moment. De toute façon, bah, je vais commencer à entraîner Size. Après, ce sera tour de Shido. Je crois que c'est Shido qui est niveau 28. Mais bon, en tout cas, Pyrux c'est niveau 30, donc ça, c'est sûr que c'est la fin pour lui. Hop. De toute façon, avant le gym, je ferai forcément un tour au centre Pokémon, donc ça, à ce moment-là, je couperai. Ou je pourrais utiliser des potions. Oh, attends, je vais remettre mais mon reste. Oh, ça va, j'ai des super potions. Ouais. L'embêtant, ouais, c'est clairement le... La tempête de sable, c'est vrai que là je regrette de pas avoir acheté les six restes. Bon, c'est vrai que. Parce que j'ai vu quelqu'un qui fait un Nuzlocke dessus. D'accord. En gros, je clique et ça change la pierre. Mais je crois que voilà, je crois qu'il y avait quelqu'un qui nous disait que le champion d'arène est de type roche. C'est vrai que le type roche est pas connu pour avoir de. Énormément de faiblesse, hein. Plus énormément d'attaque super efficace contre lui. Bon, ça va, on commence à avoir un petit peu à peu près de cheminement. Hop, 3 poké. Badafree. Double beam, ça tue pas. Ah putain, ça fait pas grand chose. Ah, cyclone. Oh, parfait. Bon, bah d'accord. Shido, il voulait sortir là, il est en mode allez, c'est moi. Mon petit Shido, c'est parti pour le sweep. Wait. donc là on a eu pas mal de poké insectes, hein. On a eu deux. Donc voilà, c'est plus que tout. Voilà, c'est parti pour l'arène insecte. Size niveau 29, Shido niveau 29. Zebritska. Ah merde, non, c'est pas le bon. Bon, tu switches, hein. Je switcher parce que ce poké il peut être assez puissant, ça. Voilà, ce que j'aimerais faire, c'est faire mon tour et ensuite le taper. Mais il est quand même niveau 25. Ouais. Je suis pas prêt. Chaque wave, ça va. Parce que normalement, il a surchauffe. Oh. Tant qu'il l'apprend pas. Là, j'irai un petit peu le seul. Grosse surchauffe, il se ramène. Un giga drain. Oh putain. Luxia, ça. Ouh. Ah ouais, putain, j'avais même pas pensé à cette attaque. Ouais, bon, je choisis pas prochain. Ça, c'est sûr. Hop. Du coup, on va faire les fifous, on va anticiper le flame charge, on va envoyer. Ah non, mais il est rapide, en plus, il est en boost. Ah, j'aurais dû envoyer Pyrux. Ah non, là, je. Si comment résister aux deux, c'est l'avantage. Puis si elle va anticiper notre switch.
Ce mec est super fort. Super puissant. Ok. Break, break, break. Oh non, pas la part, s'il te plaît, Psycho. Oui, ce sort plus de Psycho mort. Psycho immortel, ouais. Nul. Ouais, squatty. 336, 376. Alors, Vaporeon. Bon, on va envoyer. Est-ce qu'on va envoyer Luxia? J'ai peur que je sois estouillé derrière, du coup, j'aurais. Après, je ferai une pause. Sans de soigner tout ça parce que là par ici j'ai pas énormément de trucs. Je crois que tu as bientôt une 30 en plus. Ah, c'est pas une fois chiant. Mais bon, on va voir, on est motivé là. Il faut nous faire ce badge caillou. Putain, il est en le pire. Ouh, ah, j'ai bien fait de pas envoyer Luxia. J'étais sûr qu'il y avait une douille là-dedans. Genre, il a pris l'attaque glace naturellement. Par contre, je sais pas s'il apprend Flame Charge naturellement, Zebritiska. Parce que généralement, c'est vrai que les dresseurs n'ont pas d'attaque qui s'apprennent par CT un peu. Enfin, les PNJ, c'est pas sûr. Donc bon, voilà. Wow, je gagne pas mal d'expérience, c'est cool. Hiker! My Fossil Well Defeat. Donc normalement, ce mec il a des fossiles, donc je précise. Alors, on va faire le tour, putain, on voit strictement rien. On va mieux. Hop, on change en petit caillou. On rechange un petit caillou. Après, bah je vais essayer d'avancer. On peut faire le prochain dresseur, après faire une ellipse. Hop, normalement c'est bon. Bon, je vais faire une ellipse et on se retrouve devant. A toutes. Et nous revoilà. Donc voilà, je suis allé soigner tranquillou. La scène de temps revient. Alors. Allure. Ah, il a fallu descendre en bas, j'avais pas vu. C'est cool. Ok, bon, voilà. Pourquoi pas, franchement, c'est vrai que les arènes, elles changent. Bon, pour la deuxième, c'était de la téléportation chiante. Pour la première, c'était invisible, fallait récupérer des fleurs. C'était assez random. Mais bon, ça change un peu de l'ordinaire, donc ça va. Moi, j'aime bien cette histoire de un petit peu casse-tête, vite fait, nul. Mais c'est vrai que c'est pourquoi pas. Donc, 3 Pokémon encore. Bien fou. C'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de lui apprendre pic-pic, ça aurait pu aider. Un petit fake-out. Petit fake-out qui croque-tique et qui fait bien mal. Ah putain, c'est chiant. C'est vrai que cette tempête de ça peut vraiment te casse-couille. Au bout d'un moment. Mais bon, j'espère juste qu'il ne fait pas un gros pied au tige. Babo. Ah, on le tue pas. Et boum. Et bim. Alors là c'est qui? Tepic. Bon ça va, c'est gratuit. 26, ouais ça a augmenté quand même hein. Je commence à être un petit peu équitable pour lui, c'est pas bon. Je préférais quand j'avais un point avantage. Smog, Poison, ah putain faut switcher après. Est-ce qu'on le tue? Normalement oui. Ouais, Torrent boosted Michael. Même pas en plus. Le temps il apparaîtra vers 20. 5. 6. Abomasno, bon on va switcher, on va aller Pyrux. Après ce sera autour des baies et des super potions. Parce que j'ai pas envie de refaire un tour. Au moins il met la Snow Warning. Ça change. Je devrais amener que juste pour plus avoir la TSA, c'est tout. C'est quoi ce TSC, je déteste. Ne mise pas s'il te plaît, Pyrux. C'est ça qu'on veut. Ah, salut. Bien sûr, salut. Hop, on a battu Icon Soldier. Unbelievable, they lost. Oui, c'est incontrôlable. C'est inimaginable, tu as perdu. Hop, une baie. Poisson, pêche à baie. Voilà. Et une super potion qui fera pile 50 PV, donc on sent l'utilité d'une super potion là. On se dit, il en faut une. Voilà mes amis. Hop. Alors j'ai pas envie de mettre Luxia en première, simplement parce que ça peut être galère. XD la rime, toi-même tu sers. C'est là.
Oh putain, non, j'ai pas activé le truc. Oh non. Du coup, c'est sûr de faire tout ce chemin pour un dresseur. Boum, boum, boum. Et voilà. C'est casse-couille l'arène, hein. Bon, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas mal d'aller retour. Alors, il fallait danser là-bas. Ok. Hop, c'est parti. Oh, you are the person I saw earlier in the tower. Donc tu es la personne que j'ai vue tout à l'heure dans la tour. Ne me parle pas de ce que Loki a dit, donc c'était la personne en haut. Je crois qu'il y avait les cheveux verts. Je veux pas parler de ça. T'es ici pour te battre. Alors amène-toi ma gueule. On dirait le père de Pierre. Oh, ce sourire trop moche. D'accord, baisé. Ok, bon bah ça va être yummy expérience. Écrasement. Une boîte univers où tout me dépasse. Oh d'accord, ça me l'a chaud, ça c'est bon. Alors normalement, si c'était un vrai jeu, je gagnerais au moins 6 millions d'XP. Oui, 6 millions. Non, non, j'y abuse pas, 6 millions. D'accord. Enfin encore mieux, ça me permet de pas avoir de dommages. Alors, combien je gagne d'XP? Je dirais 500 parce qu'il y a un bug. Ouais voilà, n'importe quoi. Lui on devrait gagner plus. Snorlax, bon on continue hein. Ce mec il fait des poké genre Yamini expérience. Bon bah Size va être content hein, parce que bon on va pas switcher si on a l'occasion. Brick Guy. Y'a 2 HKO. Putain alors là par contre c'est plus chaud. Wacom, donc je baisse ma vitesse encore, ça c'est chiant. Putain il a rien pris en vrai hein. Abusé hein. Ah putain, maintenant il est plus rapide que nous. On peut le voir à la tempête des sables, c'est lui qui a pris les dégâts avant. Non ! Size, tu es mort ! Non ! Putain de merde ! Non ! Il va être trop énervé ! Size, je t'aime aussi. Mais non ! Bon, c'est pas grave, on va prendre les viators. C'est comme je te remplace en 12 secondes. Mais non, il était bien ! Vas-y, là, j'ai trop le seum. Venge ton copain, tricœur ! Bon bah voilà, j'ai perdu un poké, c'est pas yolo ça. Bon, on va voir le reste. Une tête son XP Yormi. Why not? Why not? Alors ça c'est voilà, c'est le style de poké. Le Nuzlocke tueur. Donc, on va faire le fils de pute. Alors oui, ça va être à base de liquide synthèse. J'ai pas envie de mourir en fait. D'accord. Depuis quand il a une attaque ça c'est des bugs de random, ouais, évident. Bon, une attaque avec roulade, hein, c'est vrai que c'est super bien. Sort de bloquer ton adversaire sur un move et spam roulade, oui, c'est vrai que c'est tout à fait normal. Ok, bon, c'est cool. C'était un petit peu moins chiant que prévu, voilà. Parce que normalement c'est assez relou un Pokémon comme ça, mais bon apparemment il est un peu bugué. Et je viens de dire deux fois apparemment ça m'énerve, allez hop, hop, bon sinon sans trop de soucis même si on a perdu 16, hein. Un petit peu chiant quand même une critique. C'est pas très grave. Faut bien perdre des Poké. Christer. Bah non on va rester, ça doit aller. I won't give up. C'était du Jason Graz, ok, si vous savez pas. Hop, Cluster, alors il va nous faire une petite exuviation avec Stalactique. Stabé, hein. Le tout. Oxlade, je suis sûr qu'il la prend pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est du random. Oh, mais si j'ai le. Comment ça m'énerve ce random. Mais bon, c'est pas très grave. 1400 d'XP, Luxia est dans la place, mes amis. Et voilà, on a battu le Gym Leader Jonathan. Hey, Jonathan. That was awesome. Ouais, c'est vrai, c'était awesome. Donc le badge de diamant. On peut utiliser coupe. Et on obtient... Red Slime. Voilà. Tous les gens qui ont vu mon Let's Play d'Emerald savent que cette attaque est la meilleure du monde. Alors qui peut la prendre? Secret Power, c'est... Bon. Outside.
Streaker peut l'apprendre et Sycomore peuvent l'apprendre. Ça, c'est bon. Alors, déjà, on va l'apprendre à Streaker sûr pour taper les types. Type Spectre. Mais c'est pas encore un point ombre. Mais ce sera pas le cas de toute façon parce qu'il l'apprend pas. On va déposer Sai sur le PC qui est un bon Pokémon. Bon, il aura pas duré longtemps, malheureusement, mais c'est vrai qu'il était cool. Mais Sai, tu es mort. Donc voilà, on va prendre. Prendre le Léviator, donc Maja, et voilà. Bon, bah au moins on a gagné. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va aller avant de la grotte. Si on peut y aller, toujours aussi, il faut retourner jusqu'à la ville précédente pour récupérer le badge. Alors, bon, on va y aller directement. Ça devrait aller. Est-ce qu'on peut y aller? Non, d'accord, toujours pas. Donc voilà, je vais prendre Léviator dans l'équipe et on se retrouvera pour l'épisode 11. Donc c'était ça aussi. Merci de m'avoir regardé. Et Sai, tu es mort comme une merde. Bye.